pourras même pas mon iPhone maintenant, là, ou demain maximum. T'es plus mon frère, c'est fini, d'accord? J'ai des cicatrices encore. On avait 8 heures de trajet, c'était long, c'est très long. Et on est dans les montagnes comme ça, et on se griffait, mais à 100. Je l'aime. On est fusionnel. Tiens ton t-shirt. Attends, attends, parce que je crois qu'il y a une tache. Mais attends, il y a aussi un peu de... Évidemment. Tu trouves toujours une excuse de merde. Le mec, tu le quittes, tu dégages. Et tu vois que le mec se barre. Et là, tu dis, attends, ton Kleenex. Mais tu vois, le mec dit, bah non, trop tard. Et ta mère, on en parle de ta mère la moche. J'espère que si elle se réincarne, elle se réincarne en tagine ou en couscous. Putain, on va me prendre pour un psychopathe. Grande base d'ailleurs, de l'amour hein, pour moi. Si tu t'embrouilles pas, c'est que t'aimes pas la personne. Petit message pour vous messieurs. Quand on vous dit que votre collègue de travail ou votre pote vous kiffe, hein, vous fermez votre gueule. Alors en vrai, mais j'ai des amis à moi qui s'est arrivé. Ça me fait toujours rire les gens qui sont en train de vanner ton physique. T'es petite quand même, hein. Ouais, je suis au courant. Non mais t'es vraiment petite quoi. Oui. Sur ma taille quand j'étais plus jeune, parce que je peux pas dire plus petite. Bah ouais, tout le temps t'es petite, ou t'es trop maigre, ça c'était insupportable. Parce qu'en fait les gens pensent que quand tu dis à quelqu'un t'as maigri et que t'es déjà très mince, c'est comme si tu dis à quelqu'un qui est en surpoids, t'as pas grossi, c'est très insultant. À tous les mecs là qui envoient leur tub en photo sur Snapchat, hein, qu'est-ce que vous vous dites? Ouais, elle est hyper connue, je lui ai envoyé ma tub. Ah bah là évidemment, ça m'est déjà arrivé, mais... et ça m'arrive encore. À quel moment le mec se dit ça va marcher? Je pense qu'elle va vouloir complètement faire l'amour avec moi, oui. Jalousie. Qu'est-ce que la jalousie? C'est quand tu vois quelqu'un que tu aimes très fort avec quelqu'un d'autre. Ah, pfff. Évidemment, grande base la jalousie. Je ne le montrerai pas jusqu'au moment où je tirais les cheveux de la nana. Pour te dire, demain, je viens pas travailler. Bah, parce que j'ai pas envie. Ouais. Bah, mes prods, non. Bah, moi, c'est mes producteurs. J'ai envie de dire que je les aime et sans eux, je suis pas là. Donc merci à eux.